Hey guys, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude devant cette tour qui s'appelle la K-Tower qui est située à la sortie 8 de la station Shinsa. Je vais vous laisser avec ma voix de moi du futur, ce sera plus simple parce que là il y a beaucoup de bruit dans la rue. En tout cas je dois me rendre au 5e étage de cet établissement pour recevoir une intervention de médecine esthétique. Salut guys, c'est la moi du futur. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux ce que vous allez voir par la suite. La vidéo que vous allez voir, ça fait au jour où je tourne donc cette partie de la vidéo, 2 semaines que je l'ai filmée et donc que j'ai subi l'intervention que vous allez voir dans la vidéo. Et je voulais vous expliquer un petit peu mieux ce qui va se dérouler par la suite. Vous allez voir tout le procédé de ce qui s'est passé pendant cette journée, mais c'est vrai que je voulais vous expliquer un petit peu mieux le pourquoi, du comment et ben tout simplement ce que vous allez voir en fait dans cette vidéo. Je suis donc en contact depuis plusieurs semaines avec le centre médical Liting, qui est un centre qui s'occupe donc de médecine esthétique et de chirurgie esthétique et dont la spécificité et tout ce qui va être le lifting, donc lifting laser comme vous allez le voir dans cette vidéo. Aujourd'hui je fais donc cette vidéo en collaboration avec eux puisque l'intervention que je vais subir dans cette vidéo m'a été tout simplement offerte par le centre médical en question. D'ailleurs si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce centre, vous aurez toutes les informations dans la description, y compris leur lien pour leur site et voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir juste en dessous. Mais enfin bref, pour en venir un petit peu plus à nos moutons, ce que je vais subir dans cette vidéo s'appelle un lifting au laser sur la partie inférieure du visage, donc c'est-à-dire sur la mâchoire, la ligne de la mâchoire. On m'a proposé donc de faire cette intervention que j'ai acceptée puisque c'est quelque chose dont j'étais un petit peu complexée depuis plusieurs années. Personnellement, j'ai plus tendance à aimer les critères de beauté asiatique, ce qui signifie plutôt une V-line assez fine et pointu, hein, donc le V. L'intervention de chirurgie esthétique qui est la plus connue pour ça, c'est tout ce qui va être de découper l'os de la mâchoire pour avoir vraiment une V-line très très fine. Moi je vous avoue être très frileuse quant aux opérations de chirurgie, chirurgie tout court, même pas forcément chirurgie esthétique. N'étant pas non plus dans un besoin de vouloir faire de la chirurgie esthétique sur mon visage, je me suis dit que ça pouvait être une alternative assez sympathique qui bien évidemment fait bien moins mal, vous allez le voir. L'intervention n'a d'ailleurs pas duré plus de 20 minutes, donc c'est très rapide. C'est un processus assez simple dans lequel en fait le docteur, donc la doctoresse en l'occurrence pour moi, m'a enfoncé donc en fait une espèce d'embout avec une vingtaine d'aiguilles à l'intérieur qui vont s'enfoncer dans toute la peau en fait du visage. Et ces aiguilles utilisent la technologie du laser FDA qui permet en fait de rebooster le collagène de la peau et en même temps de brûler la graisse qu'il y a dans la peau. Ce qui permet donc d'avoir un effet assez lifting et un effet stretching, je sais plus comment on dit en français. Ça c'est le résultat de moi 2 semaines après l'intervention. Pour avoir un effet vraiment qui est très 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 visible, il recommande de le faire 3 fois. Moi je l'ai subi qu'une fois et je vois déjà des résultats de fou. Je suis vraiment très contente de ce que je peux voir en fait sur mon visage. J'avais tendance à avoir une asymétrie au niveau en plus de la mâchoire, ce qui a été assez rectifié, donc je suis très contente. Au niveau du double menton aussi, vous allez voir dans la vidéo que déjà rien que le avant, après l'intervention, il y a eu une différence de fou malade. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre des vidéos que j'ai tournées chaque jour pendant la semaine qui a suivi l'intervention pour que vous puissiez un petit peu voir l'évolution durant ces journées là. Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est là que vous allez voir les résultats. En attendant j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous informera pas mal sur les interventions de médecine esthétique en Corée. Et donc je vous laisse retourner à Shinsa avec ma moi du passé. On y va, c'est parti. Hakkında
Alors là les amis, du coup on se dirige vers le 6ème étage. J'ai reçu ça, on vient de faire le check-in et tout ça. Donc j'ai donné toutes mes informations et là du coup on va se diriger vers l'étage où je vais tout recevoir. Du coup j'ai hâte de découvrir et de voir un peu les résultats avec vous, ça va être chouette.실리프팅이나 레이저 이런 간단하게도 피부과적으로 가능하고 또는 조금 더 처짐이 심하다라고 하시는 분들은 수술적인 방법으로도 같이 가능하세요. 근데 이제 우리는 아직 리니님은 26세이시고 네. 마녀로 한국 나이 어리시기 때문에 간단하게 시술적으로 진행을 하시면 될 것 같고요. 자, 우리 리프팅이라고 하는 범위에서는 실로 얼굴을 당겨지는 부분도 있고요. 아니면 레이저 얼굴 자체에 자극을 시켜서 고주파나 초음파 같은 이런 시술들로 얼굴을 좀 타이트하게 잡아주는 네. 이런 리프팅이 있고요. 우리 지금 리니님이 좀 생각을 하시는 건 아무래도 1단계 가장 기본적인 거 시술 쪽, 그죠? 이제 지금은 사실 나이 관계없이 원장님들은 그러세요. 20대 이후부터는 노화다. 결국 사람 신체 나이에 있어서는 더 이상 발전이나 뭔가 세포들이 자라나지 않고 정체기에서 또는 떨어지게 되는 콜라겐도 잃고 전체적으로 피부 노화도 진행이 되는 시기인데 지금 오늘 진행을 하신 건 버추라는 레이저예요. 버추라는 레이저고 이제 써마지 계열 고주파 관련되는 기계고요. 얼굴 자극, 진피를 자극시키고 콜라겐 형성을 도와줘요. 그래서 얼굴이 조금 타이트하게 조여지는 느낌? 이런 부분으로 이제 보통 레이저 시술은 반복적으로 3회 정도 하시면 가장 극대화돼서 좋습니다 얘기를 드리고 1회 정도 바로 즉각적으로도 시술을 하시고 나면 얼굴에서 타이트함을 느끼실 거예요. 그래서 전체 결이라든지 팔자라든지 이런 부분들이 좀 많이 좋아져요. 펴지는 느낌들을 보실 거예요. 그리고 있는 얼굴 전체의 볼륨이라든지 이런 굴곡진 것들이 좀 매끈하게 펴진다라고 생각하시면 돼요. 혹시 이거 부분에 대해서 뭐 레이저에 대한 조금 더 궁금한 부분이나 이런 거 있으실까요? 그 결과에 대해서 좀 궁금한데 그 흡입? 그런 수술보다는 좀 더 간단하게 하고 근데 이 정도 보이진 않을 것 같죠? 그러니까 흡입이라고 하는 건 그 석션이죠 말 그대로 이 팻티슈를 아예 리무브 네. 하는 건데 지금 이런 부분 레이저는 녹인다라는 쪽이 조금 더 맞아요. 아예 자체를 이렇게 아예 빼버릴 수는 없고 네. 안쪽에서 자극을 시키고 조금 더 스무스하게 변하게 되네요. 그래서 우리는 관련해서 레이저 리프팅이다 라고 하는 시술 동의서를 같이 쓰시고 그리고 이제 더 스페셜리스트잖아요. 우리가 인플루언서이기 때문에 같이 협조해 주시면서 이 계약서도 같이 쓰실게요. 네. 옆쪽에는 사인 한번 해주시고 우리가 주민번호가 따로 혹시 우리 발급받은 번호가 따로 있을까요? 아 저 그 외국인 등록증 있는 등록증 번호 네. 써주시면 돼요. 근데 저 기억 잘 안 나요. 우리는 이제 피부과적으로 시술로 하실 거니까 8층 올라가실 거예요. 네, 제가 팬만 드리니까 성함이랑 데스크 또 한번 접수하시면 바로 진행을 도와드릴 거예요. 네, 감사합니다. 네. Bon bah c'est parti les gars, du coup j'ai re-signé d'autres papiers, on m'a tout expliqué un peu la procédure comme vous l'avez vu. Et là on va se diriger vers le 8ème étage pour que je puisse recevoir mon traitement, je pense qu'on peut dire comme ça. Et j'ai un peu hâte. Thank you.
잘 챙길게요. 네. 이름이 뭐라고 불러야 돼요? 민이라고 불러요. 민이님 같은 경우는 약간 턱이 살짝 있기는 한데 그걸 유지하는 걸 오히려 또 좋아할 수도 있을 것 같아서. 근데 오늘 우리가 하는 건 기본적으로는 피부를 타이트닝 하는 거예요. 아까 말하던 피부를 이렇게 조여주는 거거든요. 피부를 좀 조여주고, 그 다음에 톤 자체는 워낙 밝으시죠? 아까 그게 또 화장을 하고 있는 사진이었을까? 잘 모르는데, 이게 우리나라, 그러니까 환자분들한테 해보면 톤업이 잘 돼요. 지금 보면, 근데 이게 굉장히 여러 가지로 세팅을 할 수 있기 때문에, 만약 본인이 원하면 볼륨을 좀 줄이고 싶은 데는 줄일 수도 있고. 저 이게 렌즈가 맞지? 약간 이쪽이 네, 좀더 크죠. 근데 그게 보통은 뼈에서부터 오는 걸 수 있기는 한데, 근데 지금 상태에서는 뭐 정확하게 보시는 거고, 이따가 마취 네. 다 끝나고 나면 닦아내고 난 다음에 어차피 시술 들어가기 전에 설명을 다시 한번 할 거거든요. 그리고 그때 또 다시 한번 설명드릴게요. 네. 보통은 우리가 2주에서 4주 간격으로 한 3회 정도 간격을 하고 왜 이렇게 하시는 건지 해볼게요. 느낌을 네. 맞춰 괜찮아요. Pour avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude. J'espère qu'elle a pu vous informer un petit peu plus sur tout le processus de médecine esthétique en Corée du Sud. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à savoir sur ce sujet, mais de faire une première vidéo là-dessus avec mon expérience, j'espère que ça aura pu vous apporter un petit peu plus de réponses à vos questions. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant le centre de médecine esthétique qui seront donc tous dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller checker si vous voulez en savoir encore
un peu plus. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine dans un vlog un petit peu plus commun. Gros bisous, guys!